La foodie en moi a le bonheur de venir découvrir une fois de plus un resto gastronomique dans le secteur de Saint-Sauveur. Je suis sur la rue Saint-Vallier-Ouest et aujourd'hui, je découvre la cuisine d'inspiration péruvienne du Toumi. Pascal, en mai dernier, en mai 2022, vous avez décidé de vous lancer dans une belle aventure. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir ce beau restaurant qui est situé sur la rue Saint-Vallier? Bien, tout d'abord, on avait un service traiteur à la maison et puis on allait chez les gens faire découvrir notre nourriture péruvienne. Maintenant, on a ouvert un restaurant depuis mai dernier, comme tu as dit tantôt, pour que les gens viennent découvrir la nourriture chez nous, dans le fond. Mais là, quand on vient ici, non seulement on mange bien, mais il y a de l'ambiance dans le restaurant. On a des chansonniers quelques fois par mois. On a des soirées festives. Les gens viennent danser. D'abord et avant tout, on veut que les gens viennent manger ici puis qu'ils relaxent. Quand on vient au Toumi, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qui est sur la carte des cocktails? On a une carte de cocktails vraiment diversifiée. On a notre pisco péruvien aussi qu'on fait presque tous nos cocktails à base de pisco. On a toujours une petite épice péruvienne dans tous nos cocktails. Mais là, j'ai envie d'en découvrir davantage sur la cuisine du Toumi. Donc, j'aurai le bonheur de m'entretenir avec le chef Mike. Merci pour ton temps. Merci. Mike, tu es un des copropriétaires au Toumi, mais tu es surtout le chef. Tu es un peu l'instigateur de ce projet-là. Quand on vient manger au Toumi, qu'est-ce qu'on peut manger? Je sais que c'est de la cuisine péruvienne, mais comment est-ce que vous l'avez apporté sur votre menu? Ici, on a voulu créer une cuisine fusion qui représente moi et ma famille. Ma mère étant une mère péruvienne, mon père étant un père québécois, j'ai voulu faire une cuisine fusion. C'est quoi votre mos, votre plat typique? T'sais, on vient ici, on veut découvrir quelque chose, qu'est-ce qu'on mange? On a un plat typique péruvien qu'on offre ici qui s'appelle le ceviche. Le ceviche est à base de poisson et fruits de mer crus qu'on vient légèrement cuire avec du jus de citron. Et puis, pour le reste des plats, c'est des plats qu'on a travaillé en cuisine avec ma famille. Et c'est ça qui fait notre identité à nous aussi au Toumi. Mike, le mot famille, le mot maman revient souvent dans tes plats. Est-ce que ta mère t'a accompagné dans l'élaboration du menu du Toumi ici? Ma mère m'a enseigné sa culture de la cuisine péruvienne qui a été transmise de génération en génération. Notre but, c'est de réinventer un peu la cuisine péruvienne, mais à notre manière, tout en gardant la tradition, les épices du Pérou et les saveurs, d'ailleurs, ce qui est extrêmement important pour nous. Merci énormément, Mike. Honnêtement, tu m'as mis l'eau à la bouche. Si vous avez envie de découvrir l'expérience gastronomique et l'ambiance festive et parfois décontractée du Toumi, vous êtes invité à réserver votre soirée dès maintenant.